Un an après l'insurrection du 1er novembre 1954, il n'y a toujours pas de guerre en Algérie. Le pouvoir politique entretient la fiction d'opérations de maintien de l'ordre contre quelques bandes d'hors-la-loi. Pourtant, le FLN, par la terreur ou la persuasion, ne cesse de se renforcer et d'enregistrer des ralliements. La répression aveugle pousse vers les maquis de nouvelles recrues. Les bandes rebelles deviennent des katibas bien armés. Face à cette guerre de guérilla, les officiers sur le terrain constatent que les méthodes de la guerre classique sont inopérantes. Il faut s'adapter, être mobile, poursuivre les maquisards dans le djebel, monter des embuscades. Beaucoup d'officiers d'Algérie revenaient d'Indochine. Dans ce combat perdu, ils ont vécu comme une humiliation, ils ont appris les préceptes de la guerre révolutionnaire et les moyens de la combattre. Ils avaient lu quelques pages de Mao Tse-Tung, compris que le guérillero devait être dans la population comme un poisson dans l'eau. Ils avaient appris énormément de la guerre de guérilla et ils l'ont transféré sur place avec les leçons des Viet en disant voilà comment on fait une guérilla, nous aussi on sait faire. Certains, prisonniers du Viet Minh dans les camps de rééducation, comme le capitaine Haller, adjoint de Bijar, n'ont pas oublié ce que l'on peut faire d'un homme que l'on tient à sa merci. J'avais toujours en mémoire le problème de l'Indochine, puisque comme nombre de camarades, à l'époque, j'avais fait l'Indochine, et en plus, j'avais été prisonnier des Viet. Donc nous avions compris là-bas que le problème, ça n'était pas de s'emparer du terrain, d'une position, le problème, c'était de s'emparer de la population, de façon à ce qu'elle soit de notre côté. L'objectif pour l'armée française est de détruire l'organisation du FLN, la fameuse OPA qui encadre la population. Il faut donc débusquer les commissaires politiques ou les collecteurs de fonds, interroger les suspects, soutirer les informations. Le renseignement devient le nerf de la guerre. La quête du renseignement ne peut se faire sans la torture. Comment voulez-vous obtenir un renseignement? Est-ce que... Parce que si les renseignements s'obtenaient en faisant guili-guili au gars, ça irait tout seul, hein. Il n'y aurait plus besoin de le taper, il n'y aurait plus besoin de rien lui demander. Il suffit simplement de lui dire, dis donc, vous avez des armes, oui, t'en as combien? J'en ai X, tu les as cachés où? Là, et tes copains, ils sont où? Ils sont dans la grotte, là-bas, ça n'existe pas. Pierre-Alban Thomas est nommé officier de renseignement à El Milia. Après avoir hésité, l'ancien maquisard accepte pour ne pas laisser la place à un ultra plus répressif que lui. Le voilà dans l'engrenage. Deux policiers de la police judiciaire était à El Milia et se livrait aux interrogatoires. Mais moi, mes fonctions de chef de deuxième bureau m'autorisaient à entrer dans les laboratoires où se pratiquaient les interrogatoires, dont la torture. C'est là que je l'ai véritablement découverte en Algérie. Je l'avais déjà découverte en Indochine, hein, bien même. Mais ça, je l'ai redécouverte ici en Algérie. Et j'ai assisté à un certain nombre de séances de torture et je n'ai rien dit. Simplement, parfois, il m'arrivait de lever la main et de dire assez aux deux policiers. Mais eux me disaient, il va bientôt accoucher, il faut continuer encore un peu. Je dois reconnaître qu'ils étaient... Ils savaient vraiment s'y prendre et ils n'ont commis aucun acte de sadisme. C'était uniquement des tortures en vue d'obtenir des renseignements. Et quel type de torture ils pratiquaient? L'électricité, principalement. La tête dans le baquet jusqu'à ce que le type ne puisse plus dire ouf. Et quand il suffoquait littéralement, il devait lever un bras et dire « je vais parler ». Pour dire « je vais parler ». Ou alors... le gavage d'eau aussi, j'ai vu ça aussi. On fait avaler de l'eau jusqu'à ce que le ventre soit complètement comme une baudruche. Mais l'électricité, ça, c'était monnaie courante. À l'origine, on passait les gens à la GGN. La GGN, c'était la génératrice à main
des postes radio à NGRC 9. Il fallait que quelqu'un tourne la génératrice à main et un courant de 80 à 100 volts s'en dégageait. Les deux électrodes étaient posées sur l'individu, soit aux oreilles, soit l'une à une oreille, l'autre au sexe. Mais par la suite, pour simplifier, pour ne pas avoir à tourner cette génératrice, eh bien, les policiers, là, les inspecteurs de police, ne s'embarrassaient pas de ça et branchaient directement sur le 110.